À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Hello tout le monde. Quelqu'un en vie là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 5. Donc on est sur la suite de la campagne avec les tirailleurs sénégalais. On est sur cette deuxième partie. On doit aller rejoindre une section parce qu'ils se sont fait attaquer. On va passer sur le côté. Les mon salauds Dieu. Sont en train de les exécuter. Repose en paix, mon frère. Alors eux ils vont le payer cher. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Ah, un silencieux. Voilà, ça c'est fait. Ok, il y a un petit camp là-bas avec un sniper. Alors lui, il va y avoir d'autres chemins d'accès. Punaise, je l'avais même pas vu à côté de l'arbre. Oh la vache. Ouais, ils ont été exécutés aussi. Super. Ils sont tous morts. J'arrive trop tard. On peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Comme j'avais dit, les Allemands prenaient les Noirs africains ou les Maghrébins pour une race inférieure, surtout les Noirs africains. Barrage droit devant, avec des gardes allemands. Il y avait beaucoup de maltraitance envers ces prisonniers-là, mais ils ne les exécutaient pas systématiquement. Faut pas que les patrouilles allemandes me voient. Ouais, j'ai eu chaud. Ils les exécutaient pas systématiquement et beaucoup ont été faits prisonniers et sont même restés dans des camps pendant toute la guerre. Mais il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de morts parmi les prisonniers.
Je me balade un peu hein, parce qu'on dirait qu'il y a des trucs cachés quand même. Ah ah, point de contrôle caché. Qu'est-ce que je disais? Et d'ailleurs, comme je disais, les terrains sénégalais ne venaient pas que du Sénégal, donc on avait tous les pays du Maghreb hein, et d'Afrique du Nord, et même d'Indonésie. Ces régiments comme des tirailleurs sénégalais. Essayez de communiquer maintenant. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Des patrouilles. Et les mecs qui sont morts dans leur parachute là, je me demande ce que c'est. Il y a des soldats français, mais c'est super bizarre. J'ai des grenades anti-char. Ouh, c'est bon ça. Par contre, le sniper, K98. La vache, il a failli m'avoir. Ah lui, il a failli m'avoir par contre. Bon, autant s'infiltrer dans le truc. Hein. Je vais reprendre mon fusil par contre. Où ils sont? Merde, il y a une patrouille là-bas.
Merde, j'ai défoncé la tour. Donc il voulait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai fait tout péter. On va continuer. De vie perdue. Il doit pas y avoir beaucoup de survivants ici. Il y a une carcasse d'avion là. À mon avis, c'est les mecs qui ont sauté en parachute. Mais j'arrive pas à savoir si c'est des Français ou autres. Parce que les para-français sont assez reconnaissables. Ils sont pas avec des cascadériens en train de sauter. C'est quoi son mouvement? Naze, il m'a fait mal lui. Putain, les mecs sont des MP40, ils sont super précis. Hein. Oui, on va se calmer. Je sais pas avec quoi il tire, mais pff, chaud. Ils ont tiré sur la propre position, c'est con. Ça l'a calmé, ça. Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir. Ok, il y a quoi à choper là? Des canons à détruire? Canons. Non, moi je... Je veux pas ça, mon fusil. Let's go.
Écartez-vous! Allez! On passe au canon suivant! À l'attaque! Quelqu'un a des munitions? Ça m'a fait mal ça. Voilà. Bon. C'est un bon voilier, ça.
Idrissa! Te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. On n'avait pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Le tir quand on doit passer à l'attaque. D'accord, je suis sûr que Claude il va mourir. Je le vois gros comme une maison ce truc-là. Donc on va avoir trois objectifs encore, je suis sûr. En tout cas, les doublages. Je trouve que les doublages sont super bien faits. Alors. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. J'ai pas beaucoup de balles par contre. Du hast ihn doch gesehen, oder? Wütend wie ein Stier. J'ai fait une loupée.
J'ai loupé ma chance. Il m'a repéré. Ça c'est fait. Faut que j'arrive à choper le mec en face là. Je vais repasser de l'autre côté parce que lui sur le chemin va être chiant. En plus il y a des mecs qui sont en train de regarder donc ça va être chiant. J'arrive à déconnecter l'alarme. Qu'est-ce qu'il fout? Oh putain. En fait, c'est en train de construire des trucs, c'est pour ça. Vas-y, refais ton truc, toi. Super discrétion. Oh, j'ai oublié que les maisons sont détruisables. Putain, ils ont pris le char, ils m'ont défoncé la gueule avec.